Ok. Bon, est-ce qu'on m'entend? Ouais, yes. Apparemment, on m'entend. C'est cool! Bonjour à tous, bonjour à toi Hugo, je vais très bien et toi aussi, j'espère que comment ça va, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour une deuxième partie du game du week-end. Ce week-end, je suis en train de tester Crysis 2. Crysis 2, un jeu qui est sorti sur PC, PS3 pardon, et Xbox 360 le 24 mars 2011. Il a été édité par Crytek peut-être, et développé par Electronic Arts, et il a eu la note de 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. J'ai commencé la semaine dernière, hier, et j'avoue que c'était un petit peu compliqué pour finir. Faut aimer le Die and Retry, donc je vais essayer de continuer quand même. Je reprends la partie. Donc, veuillez patienter. Ok, bah je patiente. Hein. Je patiente. Bon Hugo, j'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tu t'occupes bien. Est-ce que tu as joué ces derniers temps? Aujourd'hui par exemple, ce matin. Il est long le temps de chargement. Ok. Bon, alors. J'étais pas resté sur un échec. Je t'envoie l'ascenseur. Alors graphiquement, c'est toujours aussi pas beau. Et ah oui, ok, d'accord. Donc je recommence là. Bon. Salut Shiva, comment tu vas ? Pas si je te raconte tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Barclay, ses hommes se font piller. Crynet part en couille dans tout le reste de la ville. Voilà, gros, c'est la merde. C'est ça, 2011. 24 mars 2011. Mais à cette date-là, je pense qu'il y avait des jeux qui étaient plus beaux que ça. Je crois que dans les Call of Duty, ça tapait fort déjà. En 2011, c'était la période Black Ops, moderne. Black Ops, pas très beau, mais Modern Warfare 2. Ouais. J'ai l'impression qu'il était quand même plus beau que celui-là. Mais voilà, c'est vrai que je suis un petit peu sur ma faim. Moi, ça va très bien. Bien remis de la soirée hier, je me suis couché tard. Et toi, je sais que tu t'es couché à quelle heure du coup? Parce que t'es resté jusqu'à la fin. J'ai installé un dispositif identique à celui qui était sur l'île, mais en cause pour l'instant. On va voir ce que ça. Je viens d'ici. Et par là. Yes. Ah oui, c'est vrai. Prophète. Active, qu'est-ce que tu fous? T'as dû s'en... Oh la vache! Si je vois pas le problème. Ah ouais, toi t'as carrément été décalé quoi en gros. Carrément décalé. Oh la vache. Eh, je me suis endormi bien avant toi. Tara Strickland, la fille à qui tu sais, moi je trouve ça. Et moi, madame, elle est arrivée bah, peu de temps après la fin du live. Elle a pas eu le temps de venir te faire coucou. À peine j'ai coupé le live quoi, elle est arrivée 10 minutes après. Donc. Elle aurait fait coucou sinon. Initialisation terminée. Accès à la mémoire. Nano protocole engagé. C'est bizarre. Attends un peu. Tu n'es pas prophète. Menace détectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Bah je suis moi. C'est Hargreave qui vous a. Des images de la mémoire intégrées. Okay. Mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. C'est peut-être ce que je peux faire, c'est lancer le Discord au cas où. Il y a peut-être des personnes qui m'ont laissé des messages. Je suis pas allé sur Discord de la journée. Oula, bah oui, il y a du cool. J'ai du message. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Fin de la transmission. Reroutage des systèmes. Interface validée.
Je peux plus continuer, j'ai plus la force. Je suis pas un gros dur à cuire comme prophète. Ah, je reviens vite fait. Je suis pas allé sur Discord, mais j'ai quelques messages. J'aurais dû peut-être faire ça. Bon, non, non. Bon sang, j'aime les trucs de geek et les conspirations. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, j'ai rien du tout, est-ce que j'ai un autre message ? C'est Luca. Prophète était censé nous exfiltrer avant l'arrivée des Marines. Là. Et un expert en céphalopode ? Quelle question, bien sûr que non. Tu veux que je te fasse la version courte ? On se fait éclater dans les grandes largeurs par des calmars. Tu t'es jamais demandé à quoi pensaient les Incas quand la variole est apparue chez eux ? T'as vu la spore, pas vrai ? T'as vu ce qu'elle fait ? Bon, c'est bon. Tranquille, là. Prophète, salut, Phoenix ! Comment tu vas ? Non, c'est pas possible. Ça veut dire C'est une bonne... Bonne journée. Bon. La combinaison là, il cause. Ça cause tout le temps. Fait d'un nanotissu semi-organique auto-régénérant breveté par Hargreaves. Il me séquestre en plus. Je suis carrément resté. Ouais, c'est Hargreaves. Je suis carrément. C'est lui qui a conçu ça. Prophète a été. Pas espionner la voisine là. Pour porter la combinaison. Mais le problème c'est que. C'est qu'il s'est barré. T'es couché à quelle heure, tiens, Phoenix, hier? Du coup, tu t'es couché à l'heure que t'es parti ou? Tu vois ça? Ça, c'est une routine virale intégrée dans les couches profondes. C'est un code vivant, on dirait. Ouais. Ouais, tu devais être bien naze. Par contre, t'as pu en profiter aujourd'hui, quoi. Ce matin, t'as dû te lever. Un nouveau paramètre, peut-être. Moi, t'as dû te lever plus tôt que moi, peut-être. Que ce truc-là, ça doit être le biocode d'un vaccin contre les nanospores. Il a pas dû payer la redondance. Il faut qu'on fasse décoder ce truc. Mais j'ai pas assez de puissance de traitement à moins que. Oh, et merde. Je suis coincé. À New York pour faire ça, c'est chez Hargreaves sur Roosevelt Island. Le prisme. Et c'est un perpète. Ce serait du suicide d'y aller en ce moment avec tous les cerfs qui grouillent de partout. Bah là, je peux pas te dire. Moi, je sais que j'ai un Ryzen. J'ai un Ryzen 5 et. Je suis pas déçu. Après, je crois que. Pas tout. Je sais que Ryzen il fait du bruit au niveau de la ventilation, mais il a quand même du. Il a un avantage par rapport au i5, mais après je pourrais pas te dire. Après faut que tu vois ça avec Shiva justement. Shiva c'est lui qui t'a guidé hier. Attends, t'es sûr? Tu es sur quel jeu? C'est sur Need for Speed? En plus, c'est super parce que j'ai Need for Speed aussi. T'es sur quel jeu, Shiva? Horizon, c'est bien pour les vidéos montage. Pas spécialement Phoenix, parce que moi, tu vois, c'est un. Moi, c'est quand même un. J'ai quand même un.
un Ryzen et j'ai pas de soucis quoi. Salut Scarlex, bah je vais bien et toi? Quoi de neuf? Et là c'est bien parce que je commence à avoir des joueurs PC hein, dans ma communauté, je suis trop content. J'arrive à rassembler des joueurs PC. C'est quoi que tu faisais? Alcatraz, je me suis arrangé pour intercepter des transmissions du SEL. Merde. Ils allaient t'escorter jusqu'à un central de commandement du côté de Wall Street. Je connais l'endroit. À tous les coups, ils y ont installé une nacelle d'analyse. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne ta combi. La sécurité risque d'être renforcée. Merde, je me rappelle plus. Il y a un tunnel d'évacuation qui passe sous la rue. Ramène-toi à l'église de Wall Street. C'est là-bas que le tunnel débouche. Passe par les toits, c'est plus prudent. On se rejoint là-bas. NFS, bah c'est cool ça. Parce que moi je suis bah j'en ai, je l'ai, je sais pas si je les ai pas tous. J'en ai testé un déjà sur PlayStation 4. Mais je crois que je les ai tous en fait. Depuis la PS3, je les ai tous les Need for Speed. Donc on pourra jouer ensemble. Enfin après je les ai sur PS4, mais ça me dérangerait pas de les avoir sur PC aussi. S'ils sont à prix correct, je les prends bien sur PC. Sachant que j'ai déjà les. Comment ça s'appelle si les. Les WRC, j'ai craqué pour les WRC, j'ai les Formula One aussi. C'est complètement différent, mais. Et je crois que je dois avoir. Colin McRae Rally Dirt ou un truc comme ça. J'aime bien les jeux de course aussi. Oh, qui veut un hot dog? Donne faim. Je sens que je vais devoir castagner dans pas longtemps. Alors, le tout c'est de descendre sans se viander. Oups! Oh là! Je m'en doutais! T'essayes? Ah ouais! Ah, c'est sur lequel Need for Speed? Ah bah oui, c'est normal! Bah déjà la manette et même si t'as une manette c'est quoi comme tu utilises une manette aussi sur PC? Écoute, le SEL s'est massivement déployé autour du poste de commandement. Les SEF ont dû leur coller une sacrée frousse. Continue vers l'église. Voyons si je peux t'aider à contourner la sécurité. Infiltrer le complexe de nanorecherche du SEL. Accéder au poste de commandement du SEL. Ah
Alors, c'est par là. Mais c'est bon. T'as une manette? Ouais, mais c'est quoi comme type de manette? C'est une manette PS4 ou c'est une autre manette? Parce que la manette, il fait. Ça y fait beaucoup, hein. Oversight, ici Emerald 1. Unité ennemie en c'est une manette Xbox One? Bah ouais, déjà, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Entre une manette PS4 et une manette Xbox One, déjà, c'est pas pareil. Les vibrations sont pas du tout les mêmes. Sur Xbox One, elle vit beaucoup plus fort que la manette PS4. Mais après c'est sûr l'idéal c'est un volant. La réactivité de la caisse. T'avais pas regardé un petit peu tes. T'avais pas mémorisé tes réglages avant? Genre faire un imprime écran de ton. Ouais, ou alors t'es habitué à d'autres choses. J'ai fait le jeu, ça. Ah ouais, d'accord. Bah c'est con ça. Le NF Need for Speed dans la liste, c'est pas. T'as le Rivals, c'est pas le Rivals non. T'as Need for Speed tout court. Juste Need for Speed, parce que moi j'en ai fait un, mais je crois que c'est le Rivals que j'ai testé. C'est le Need for Speed Rivals que j'ai testé sur PS4. Bah en fait, le problème du Rivals, c'est que tu joues en ligne. T'as pas le choix, tu joues avec d'autres joueurs. Et moi, une fois, ce qui s'est passé, c'est que il y en a un, je lui ai pourré sa partie parce que je savais pas que je devais l'aider. Et au final, je l'ai déglingué le mec. Je devais être contre la police, je crois, et lui, il était contre la police, mais je l'ai déglingué, je pense que. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas de ça. Et après, c'est vrai que j'ai pas rejoué. Je crois que j'y rejoue. Allez, rentre dans la petite boutique. Oh, punaise, la vache. Ah, ils font vraiment pas de cadeaux. Hein. Toutes les rues ont l'air d'être condamnées. Voyons si tu peux passer à travers un de ces bâtiments. Ah, j'aimerais bien. Contourner la barricade du périmètre. J'aurais bien le déglingué. J'aurais bien passé, mais. Ah,
La semaine prochaine. Peut-être mercredi. Peut-être mercredi. Je vais en faire. Parce que lundi, je vais faire du Infinity Warfare. Je l'ai promis à Luca. Mardi, je vais peut-être pas pouvoir faire de live. Camouflage activé. Armure maximale. Quoi, c'était bien. Ah oui. Alors moi je suis pas fan. J'ai essayé 3 fois. Je suis pas fan. Bon bah ça va, j'ai réussi à les contenir sans me mourir, dis donc. Je le sentais pas pourtant au passage. Ah, il y a une petite boisson. Bon, c'est pas par là qu'il faut que j'arrive, les derniers. Alors, c'est bien ça, mais faut quand même que j'arrive à rentrer là-dedans. Je suis comment pour rentrer dans le complexe? Ah, c'est peut-être par là. Je peux pas. J'avais fait munition max. Touk. Merde, c'était pas prévu. Le coin grouille d'agents du sel. Tout le périmètre est placé sous mesure d'interdiction. Du coup, Phoenix, bon. Toi, tu serais ok pour faire du GTA mercredi. Une diversion du côté de l'église. Essayer de rassembler un petit peu de joueurs. Par contre, ce sera mercredi après-midi. Parce que le soir, je vais pas pouvoir en faire. Je risque d'empêcher madame de dormir. Eh ben, ce serait fin d'après-midi, 16h30, 17h à peu près. Jusqu'à 18h30, 19h. De bonnes heures, quoi. Scan terminé. Cible identifiée. Créer une diversion pour Cool. Ah bon, c'est cool, nickel. Ah bah c'est nickel. Ah bah c'est super. Ah bah c'est génial. Non, puis le soir en fait je vais privilégier eh bien Dead Space 2, puisque ça va être Dead Space 2 que je vais tester, que je vais jouer. Et c'est dingue, ils meurent pas les mecs hein. Là-bas, mais il est trop loin. Là, ce qu'il faut. Je sais pas si j'ai pas de sniper. Mais est-ce que j'ai un sniper? Non. Et hop.
Enfin, mais c'est dingue! C'est... Il leur faut combien de balles pour qu'ils meurent? Bah je sais pas, pour l'instant on est deux. Mais je vais voir. Ouais, je mettrai, de toute façon je ferai des annonces en même temps en Discord. Je vais mettre un programme et je vais faire des annonces sur le party online. Et voilà, ceux qui pourront, bah, ils joueront avec moi. Et ceux qui peuvent pas, bah ils joueront à un autre moment, c'est pas grave. C'est pas perdu. Je vais essayer le multijoueur, par contre je pourrais faire que l'après-midi parce que s'il y a du monde et tout, je vais parler fort. J'ai empêché madame de dormir avec Julie. Mercredi 14h, ça va être chaud. Hein, parce que moi, j'ai des choses à faire quand même. Et à 16h, 16h30, 16h30, 17h, c'est bon. Parce que j'ai mes cours à avoir aussi, quoi. Et là, j'aurais peut-être dû prendre... Pourquoi c'est normal? Non, c'est pas normal. Parce que j'aurais ma pièce de gaming, elle m'entendrait pas. Le problème c'est que là je suis dans le salon, il y a de l'écho. Mais c'est ça l'inconvénient d'avoir de pas avoir beaucoup de pièces chez soi. J'aurais un petit endroit ben, je pourrais insonoriser tout ça et pas trop entendre quoi. Mais du coup, c'est vrai que le multi le soir, ça va être, c'est limité quoi. C'est des fois, bah ouais, je vais rigoler, je vais parler fort. C'est pour ça que je vais mettre quelque chose de plus calme. Ça m'empêche pas de faire du live le soir, mais ça va être plus. Ouais. Mettre des mousses, ouais. Mais ça, c'est bien dans un bureau quoi. C'est par là que je devais aller en plus. L'idéal c'est d'avoir une pièce, ma pièce dédiée, puis voilà quoi. Un truc pas trop grand non plus, mais voilà quelque chose. Au moins que je puisse mettre mon bureau, tout ça. Ah, mais non, c'est là qu'il faut que j'aille. Hein. Ouais, bah moi aussi, mais en fait, j'ai pas de place dans les chambres. Je n'ai pas du tout de place dans les chambres. Parce qu'en fait, dans la chambre, elle a sa console et sa télé, en fait. Ouais. Bah en fait, ça dépend. Moi, je pourrais faire du bruit jusqu'à 10h, 10h30 grand max, mais à partir de 10h30, c'est foutu. Comme là, je suis en vacances, bah je vais peut-être pas faire des lives jusqu'à 10h30. Hein. Je ferai peut-être des lives jusqu'à 11h30 minuit, quoi. De prendre maintenant. Yes, ok. Bah, je verrai ça après. Ou entre deux temps de chargement. J'ai vu que le Discord a mis une alerte. Bon, alors là, par contre,
barrage activé. Camouflage activé. Tac, camouflage désactivé. Ah, puis en plus, il y a une alarme. Je me presse pas, mais il y a une alarme. Tiens, au fait, Phoenix, si tu es encore là, il y a un jeu qui est vraiment sympa sur, sur PS4, comme tous les sur tout support. Je sais pas si t'as déjà testé, bah même, je sais pas si t'as déjà testé ou pas. Mais, je suis en train de jouer à ça sur, sur Switch en ce moment et je le trouve plutôt sympa. C'est, bah si je t'en ai parlé, Phoenix. C'est, ah! Je peux me rappeler du nom du jeu. C'est un TPS qui est gratuit. Ah, c'est pas Paladin, c'est quoi déjà? Ah merde, je me rappelle plus du nom. Je t'en avais parlé. Je crois, c'est à toi. Et j'en avais parlé aussi à Azarox. C'est... Ah, je me rappelle plus. Je l'ai sur PS4 aussi, et il est gratuit. C'est un jeu qui est gratuit, mais bah tu... Des fois, tu es obligé de sortir la carte bancaire pour débloquer des choses, mais sinon, c'est gratuit. C'est... Warframe, voilà, c'est ça, Warframe. Voilà, Warframe. Ah, la tour, tu l'as acheté au passage. En fait, t'as tout acheté d'un coup, Shiba. Mais Warframe, ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, c'est très addictif. Ouais, j'ai fait le tour. Ah, la photo de la tour, c'est quand tu l'as acheté, d'accord. C'est le jour où tu l'as acheté, la tour. Yes, ok, Phoenix. Eh bah, peut-être à ce soir. En tout cas, bah, merci pour ton passage. Et puis, bah, bonne fin de week-end à toi. Tiens, au fait, d'ailleurs, Shiva, je vais peut-être voir ce que j'ai un... Bah, j'ai un de mes modérateurs qui s'est mis au PC récemment. Un peu... Bah, un peu en même temps que moi, je vais dire. Et bah, lui, il a des problèmes avec son... Vu que t'as l'air de bien t'y connaître. Il a des problèmes avec la fluidité de son live. Alors, je pense qu'il a à peu près la même puissance que moi en PC, mais par contre... l'image est très saccadée, quoi. Donc au pire, si t'as des conseils, je pourrais lui transmettre, ou alors je l'enverrai directement te lui demander. L'encodeur. Moi, j'ai regardé hein, avant de commencer le live, et je suis en X264, en fait. Tu m'avais dit de voir, j'ai regardé un petit peu dans les paramètres, et j'ai vu, je suis en X264. Et c'est peut-être pour ça, ça doit être géré par ma carte graphique. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que mon processeur est très peu utilisé. Mais je sais pas comment changer. Mais après, le problème, c'est que mon truc, ça risque de ventiler. Parce qu'en fait, j'ai pas de... J'ai juste le ventilateur de ma carte graphique et le ventilateur de mon... J'ai pas d'autre ventilo, en fait. Je ventile pas mon setup par assez. Donc le truc, c'est qu'on risque d'entendre un bruit d'aspirateur tout le long. Il y aura le ventilo du pros qui va pas arrêter de tourner. Ouais, pour l'instant, ouais, je sais qu'on m'avait conseillé d'en prendre un. Il y en avait à 8 balles et tout. Donc, mais j'ai juste les ventilos de. Le ventilo de ma. Les deux ventilos de la carte graphique. Et le ventilo du.
du processeur. Bah mon PC non, il chauffe pas justement, il fait pas de bruit parce que là je veux dire quand il est trop sollicité mon truc il fait trop de bruit. Et là non ça va, j'ai pas de problème, il a jamais coupé, il a jamais et je sollicite pas beaucoup les tâches. Le processeur est très peu sollicité donc c'est pour ça. Après j'ai des grilles, hein, mais voilà, la chaleur se dissipe pas assez. Mais là, j'ai pas de message d'alerte, quoi. Il s'est pas mis en... Parce que moi j'ai des... Justement, le PC, il a des capteurs et il va se couper tout seul si jamais il est trop en chauffe, quoi. Il a des sécurités au niveau de la surchauffe. Mais là, il me l'a jamais fait et depuis que je l'ai, c'est cool. Bah, en fait, c'est le pro, ceci, hein, qui fait du bruit. Hein. C'est l'inconvénient du Ryzen. Ouais, voilà tous les PC. Mais moi, en fait, j'ai pas de soucis. Hein. Mais ouais, je devrais en acheter un. Mais pour l'instant, j'ai pas acheté le ventilo. Par contre, bah, il est. Non, ça craint pas parce que il est pas non plus confiné dans un coin. Hein. Il est à mes pieds. Il est pas dans un. Bah là, il fait pas de bruit là. Il fait pas du bruit, hein. Le ventilo, vous l'entendez pas, moi non plus, j'entends pas. Là, le bruit de... Après, je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise quoi, quelques heures par jour. Ouais, bah après, moi, je sais pas. Hein, quand j'ai vu, on m'a dit oui, c'est vivement conseillé. Mais voilà, bon, en final, le PC, on m'a dit, bah, vu que moi, c'était une question de budget, déjà, j'étais hors budget, donc on m'a dit, ouais. Le ventilo, l'acheter le mois d'après. Et du coup, j'ai oublié de l'acheter. Mais j'ai jamais eu de problème. Merde. Putain, mais du monde, je crois. Mais non, c'est mon beau-frère qui s'est renseigné. Mon beau-frère, et si lui, bah de toute façon, j'étais mal barré, sans lui, je l'aurais pas eu le PC. Parce que c'est lui qui m'a aidé à monter les choses, parce que je faisais le con. J'ai fait le con, j'avais tordu des broches sur le pros et tout. C'est lui qui l'a fait, et il m'a dit, bah pour l'instant, vu que t'as la RAM et tout, et que tu utilises beaucoup sur la carte graphique, ton processeur, tant qu'il est pas beaucoup sollicité, bah pour l'instant, tu peux faire sans le ventilo, quoi. Mais il m'a dit quand même de le faire après, de mettre des ventilos. Mais voilà, ça... Après, moi, c'est vrai que quand j'ai eu des... Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, 8 balles à peu près. Mais moi, quand j'ai eu des tours, en fait, dans les années 2000, moi, j'avais déjà eu une tour. Et ben, moi, ça me surprend pas qu'il n'y ait pas de ventilo parce que j'avais pas de ventilo dans ma tour. C'est pour ça, ça me choque pas de pas avoir de ventilo parce que ma tour avant elle avait pas de ventilo. Oh, y a un petit menu, je regarde vite fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais toi c'est un truc de fou que t'as en fait. Trois écrans, t'as trois écrans. Et ouais, et toi tu mets ta tour sur ton bureau. Moi je pourrais pas, j'ai pas assez grand. 2.0 embarquait toute une panoplie de fonctions biométriques, du matos de pointe. Un enfer, un et tu laisses ouvert. Ah non, c'est un panneau transparent que tu as. Avec ça sur le dos, devait être encadré. Ça, c'était mon job. L'appui logistique en temps réel. Et forcément, ce genre d'intimité, ça crée des liens. Ouais, une vitre en verre. Bref, si Prophète t'a fourgué la combinaison, c'est qu'il avait quelque chose. Mais moi, en fait, quand je touche, il est pas chaud du tout, machin. Même l'air, quand je dégage, en fait, il y a de l'air qui sort. Par le dessus, j'ai de l'air qui sort et elle est fraîche, l'air. J'ai de l'air qui sort par le dessus de ma tour, de mon boîtier, et l'air il est frais. C'est pour ça que ça chauffe pas en fait.
Mais il faudrait que j'y fasse, mais là c'est vrai que j'ai. Là en ce moment je suis très. Je vais voir pendant les vacances, mais j'ai beaucoup dépensé, et tout ça, même si c'est 8 balles, faut que je vois. Mais là c'est vrai que je m'en inquiète pas parce qu'au final il y a Bon, des. notre petite Je vois la semaine diversion a dernière par exemple, fonctionné. il a pas du tout Dégage été encore allumé de le Wall PC. Street. À nous de jouer. Option Écoute-moi bien. tactique Je vais passer par les disponible. niveaux inférieurs. De ton côté, passe. Mais là ouais, je te dis. Parlez-toi. Bon Bah courage. j'ai pas d'autres PC. Je suis obligé d'en Localiser la racheter d'autres. salle de nano-analyse. Je suis obligé d'en racheter. Entrer dans le complexe J'ai de pas d'autres PC là, c'est mon nano-diagnostic premier en du fait. Avant, CERN. c'était des portables que j'avais. €120. Ah ouais, mais bon, toi, c'est un truc à 2500 aussi, hein. Moi, c'est une config à 600 € que j'ai. Si je saute par là, ça peut pas faire. Je me terre. Bon, alors. Bon, notre petite diversion a fonctionné. Ils dégagent leurs troupes de Wall Street. Option À nous de jouer. tactique. Ah, je sais, Écoute-moi faut que bien. j'active Je vais d'abord passer par les niveaux inférieurs. De ton côté, passe. Parlez-toi. Bon courage, mon vieux. Localiser la nacelle de nano-analyse. Entrer dans le Genre complexe de contrôle de puissance. nano-diagnostic. Ouais, il y a des trucs apparemment, il y a des applications, des logiciels qui permettent de savoir de contrôler la température de l'ordinateur. Ah ouais, et c'est fiable. Ouais. Moi c'est vrai que pour l'instant j'ai pas un truc là, j'ai pas l'impression qu'il a mis là. Il fait pas de chaleur, c'est plus la PlayStation qui chauffe que enfin les PlayStation qui chauffent que le PC quoi. Pourquoi c'est pas bon? Bah, je peux l'utiliser le processeur hein, parce que franchement il est pas pris à il est même pas à 10%. Ouais. Mais est-ce que je peux à la rigueur moi ça me dérange pas d'utiliser le processeur quand j'ai que l'application qui tourne. Mais quand je fais du streaming de jeux PC par exemple, bah je préfère utiliser ouais, je pourrais utiliser la carte graphique Mais moi mon prost là c'est lui qui travaille mais il est même pas sollicité à 10% quoi. Après j'ai pas mis la qualité la qualité c'est du 720p hein. Je vais pas faire plus que 720p. Je ferai pas du 1080. Mais faudrait que j'essaie, j'ai essayé plusieurs trucs. Beaucoup mieux. Parce que moi au final, je suis pas. C'est vrai que je m'en contre tech. Ouais, bah oui, je vois où est-ce que c'est les trucs. Ouais, mais je le ferai ça. Je vais voir. J'essaierai ce soir, vu que je vais refaire un live ce soir. T'as fait l'erreur aussi avec ton ancien PC? Ouais, c'est des gros streamers qui t'ont réglé ton OBS. Ah ouais.
peux pas être tranquille un petit peu. Je vais essayer, je vais voir, je vais essayer ce soir avec la carte graphique. Armée maximale. Attention, les unités dans ton zone de sécurité. Oui, cool. Tout accès non autorisé sera sanctionné par la mort. Bah oui, voilà. Mais au final, il sert à quoi le pros si on le sollicite pas? C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, mais quand tu utilises pas, parce que moi en fait mon PC, moi il y a pas, le jeu il est pas dessus. Hein. C'est juste moi sur mon PC il y a juste le, il y a juste Streamlabs OBS qui allume, c'est tout. Il y a que ça. Quand je fais du PC, quand je fais des jeux PC, ouais. Quand je stream des jeux PC, mais c'est très rare que je fais du stream de jeux PC. Je me sers vraiment du PC uniquement pour Streamlabs OBS, pour streamer du. Bah, de la PS3 et de la Nintendo Switch. Sinon, voilà, je ne m'en sers pas du tout. Ça c'est qu'il y en a qui me tire à côté. Il me tire en dessous. Codage, c'est bien. Ah, carte graphique, tu fais un peu d'enquête. Alors, sachant que moi j'ai baissé, je te dis, hein, j'ai baissé la qualité, moi je l'ai pas mis à fond. Hein. Je la mets jamais à fond la qualité. Là, je suis à. Je pourrais faire du 1080p. Hein, et je fais en 720p. Parce que c'est de la PS3, c'est des trucs, c'est pas en. Ouais. Bah là, il est plutôt fluide comme mon encodage. Ouais, mais t'es le seul à me l'avoir dit. Au final, les gens ne le disent pas. Après, c'est moi aussi, hein, ça saccade. Sur la télé, ça saccade. Oh, ça dépend. Il y en a qui me le disent pour le son, toujours. Munition. Voilà. Ouais. Non, mais après, bah, je vois, mais moi quand je regarde, parce que je les regarde les replays, et je trouve. Bah, après, peut-être que. Parce qu'en fait, t'as pas connu la période PC quand je streamais. Avant, je streamais
la PS3 sur mon portable. Sur mon ordinateur portable. C'était autre chose. Là par contre ça saccadait. Là la fluidité de l'image était à chier. Et là c'était horrible. J'avais une image moins bonne et vraiment à chier. Et là au final c'est peut-être pour ça qu'en fait on dit rien, c'est que la qualité est quand même meilleure. Ah ouais, ça devait être dégueu. Bah tiens, je sais pas si je les ai encore, les. Je sais qu'ils sont encore sur. Si t'as Need for Speed, je crois que la. T'as peut-être le Need for Speed Hot Pursuit qui est sur le. Sur Twitch. Je les ai peut-être gardés, les vidéos de Need for Speed. Hot Pursuit. Et tu vas voir que la qualité, elle est dégueulasse. Bon, ça se regarde, hein, y a pire. Hein. Mais. Ouais, c'était. J'arrive à trouver un lanceur. Mais... Voilà. Attends, mais où? Mais je crois que je les ai encore, mes vidéos de NFS. Hot Pursuit, c'était dégueulasse. Pardon. Par où je dois passer? Peut-être que je casse une vitre. Je peux pas passer. C'est par là qu'il me demande d'aller. Bah, je veux bien. Hein. Par où je dois passer? Ah. Bah. Localiser la nacelle. Ouais. Ouvrir les portes de sécurité. Bah, je veux bien. Mais je peux pas. Je ne peux pas. Par où je dois aller pour aller récupérer cette. Par là, bah non. Ils me disent d'aller ici. Je veux bien. Et je peux pas ouvrir les portes. Ouais, bah je ferai ça ce soir, tu vois. Je vais voir. Je vais tester. Mais après, en plus, ce que j'ai peur, c'est que je vais devoir refaire des réglages sur Streamlabs après. Au niveau fluidité, qualité, je vais être obligé de bouger ça du coup. Parce que si je change, forcément. Il n'y aura rien à changer. Bon, zut. Ça m'embête, j'aimerais bien aller là, mais ils me disent. Faut que je descende. Faut peut-être que je descende. C'est juste l'encodage. Bah je vais essayer ce soir, on verra. Tu me diras. Que je rentre par ce point-là. Non. J'ai un petit peu perdu là. Par où je peux rentrer dans le bâtiment?
C'est là. Ah si, je peux peut-être par là. Non. Non, je peux pas. Là, il y a les plateformes. Peut-être qu'il faut que j'aille par là. Je suis perdu. Je sais pas du tout où faut aller. Je peux pas passer par là. Là c'est pareil, c'est fermé. C'est un con quand même. Par où ? C'était en haut. Bah oui, je m'en doute, mais en fait, t'as vu que... T'as vu quand je pouvais pas, j'avais pas accès, j'avais rien, je pouvais pas casser les vitres, rien du tout. Après, il y a sûrement moyen de remonter. Hein. Là, j'ai un échafaudage. Ouais, je pense aussi, mais j'arrête. Vision activée. Là, c'est l'hélico. Là, c'est les caisses. C'est des caisses de réapprovisionnement, ça. Ah, pour toi, nickel. Nanovision activée. Nanovision activée. Petit 7h45, 16h45, bah ouais, tranquille. En plus, il fera moins chaud, quoi. Ça qui est bien. Bon, alors, là, j'ai traversé la passerelle qui était là. Ok, donc je pense qu'il faut que je me retape le truc à refaire en entier. Il faudrait que j'arrive à remonter. C'est pareil. Je peux pas aller par là. Mais c'est abusé. Par où je dois passer là? C'est un comble. J'y arrive pas. Et des fois, ça peut être un bug du jeu, alors... Ça me fait chier de recommencer au dernier point de sauvegarde. Je suis venu de la tour là-bas. Je suis allé là, j'ai sauté ici... Ouais, je vais essayer de remonter, justement. Mais il faut que je trouve par quel moyen. Là... Ça peut être par là. Ah, c'est bon. Et là, c'est là. Il veut pas. Thank you.
Ouais, bah c'est pour me dire que c'est la. C'est pour m'expliquer. Mais il n'y a pas de touche à faire. Tu vois. Localiser la nacelle de la nano-analyse, ouvrir les portes de sécurité. Objectif, localiser la nacelle. Bah, la nacelle, elle est là. Et ouvrir les portes de sécurité. Donc il y a sûrement un truc à activer quelque part. Là, je sais pas s'il me dit quelque chose. Non, ouais. Localiser la nacelle. Il y a peut-être des choses que j'ai pas faites avant. Non, je peux pas. Avec un. Ah, C4, tu penses qu'il faut que je fasse du C4? C'est peut-être pas con ça. Du coup, le C4, il est là-bas. J'en ai vu en bas tout à l'heure. Cadence de tir, précision. Je vais peut-être garder celle-là. Je vais enlever l'autre. Merde, c'est comment le C4? Ah, flèche du bas, merci. En fait, j'en avais peut-être déjà. Ah, on va essayer. Non, c'est pas flèche du bas. C'est à flèche de droite. Ah yes, merci. C'était ça. Il faut le savoir. Merde. Bon, bah j'ai plus de C4. Nanovision activée. Alors. Okay. Ouais, merci Shiva. Ah, c'est toi qui t'es allé sur les forums. Mais c'est de la triche, je pensais que tu le savais, moi. Qu'est-ce que c'est que ça, Bombay? Allez dans le bâtiment, tirez à vue. Ouais, mais tu aurais pu avoir l'idée, hein. Parce que moi, tu sais, j'ai jamais joué non plus avant. Je pouvais pas savoir. Et des fois, moi, j'évite. Quand vraiment je me sens bloqué, je prends la solution de secours, je regarde comment faut faire sur les forums. Mais sinon non, je regarde pas. Je triche pas, sinon c'est pas du jeu quoi. Si si, il y avait du C4. Bah je l'ai vu à la fin. Mais en fait, ce qu'il faut avec ce jeu là, ce qu'il faut c'est toujours faire la touche du haut. Tu fais la touche du haut pour vraiment tu vois là, quand tu fais la touche du haut, t'as tous les éléments que où tu peux interagir avec. Et moi c'est comme ça, tout à l'heure j'ai fait ça et j'ai eu un C4. Bah là c'est pareil, j'ai un petit peu. Hop, un petit coup d'eau. Ouais, bah ils en vendent toujours, je crois, non? Ah, quoique, non, maintenant c'est un magazine d'information. Bah tiens, eh. Ah mais il y a un autre truc là à prendre. Bon, j'ai l'impression que j'y arrive un petit peu mieux hein, qu'hier soir. J'ai la fatigue en moi.
Ouais, ah bah carrément. L'après-midi, ouais, j'ai plus. Tu vois, ce soir, je serai moins performant. Quand je vais jouer à partir de 9h, 9h30, je vais être moins performant. Mais ouais, faut voir. Ah non, je commence déjà à bailler, c'est pas possible. Ah, j'ai eu un trophée. On y est. Ouais, je m'en doute, ouais, effectivement. Je tire moins écouté. Non, mais c'est, si tu veux, c'est la clarté de la pièce, tu vois. Et il faisait nuit hier, donc c'est normal que je visais à côté. Non, mais ouais, enfin, c'est ça que c'est. Faut que je me couche tôt le soir, ou alors que je me couche tard, mais que je me lève tard le matin, mais c'est pas possible, quoi. Ça va être recréé. Non mais hier pourquoi Non mais c'est vrai qu'hier j'ai fait tout l'après-midi, j'ai fait 2h30. J'ai fait plus de 2h30 de Crash Team Racing avec 4 followers. C'était très intense, donc forcément le soir quand tu. Et puis j'étais énervé aussi. Ouais. Mais je. Et j'en ai une lampe hein, de Game Boy, mais je sais même pas. Ouais, c'est. Bah, c'est pour ça que derrière les volets ils sont fermés, tu vois. Mais j'ai de la chance, c'est que ça. Quoique si, celui-là il peut taper. Si. Mais là, la télé ça va. Hein. La télé est plutôt bien. Elle a des années devant elle, mais. Bon, c'est vrai que par contre là ça fait juste là, ça. Mais tu vois, par exemple, ça s'appelle les bons souvenirs, ça. Ah ouais, ah toi, ah oui, t'avais le Game Boy le gris là avec les touches violettes là. Je l'ai toujours moi là, le Game Boy, ce Game Boy là. J'ai fait quoi? J'ai le Game Boy Color, Game Boy Color, Game Boy Advance. J'ai la Nintendo DS Lite, je crois, et la 3DS. Ah, c'est ta première console, t'avais quoi comme jeu? Color Advance. Ah ouais, ah la SP c'était bien là. Moi je l'ai pas eu la SP. J'avais la toute première et le problème c'est que elle était pas rétro éclairée et la Advance SP elle était rétro éclairée. Ça c'était bien. Ah t'as eu Verali. Oh la vache. J'aurais bien aimé l'avoir celui-là. Pokémon, bah j'ai eu le rouge. Quand tu vois maintenant les derniers Pokémon sur 3DS, waouh. La différence. T'avais les rouges. Bah attends, on va se donner notre IP Nintendo. On va se faire une partie de Pokémon Game Boy en ligne. Ah ouais. Naï, quand je crois que c'était en 99 que je l'ai eu. Pokémon rouge. Et je l'ai fini. C'est un des seuls que j'ai fini. Bah ouais. Après, bah c'est répétitif. Hein, au bout d'un moment. C'est marrant, mais tu peux pas y jouer tout l'après-midi. Premier Pokémon, c'était Diamant et Perle sur. Ah ouais! Dernier Pokémon? Bah, moi je crois que je les ai achetés, mais sur. Je les ai achetés d'occasion. Et j'y ai pas joué encore. Avec plaisir. T'avais la R4? Bah, moi aussi je l'ai. Je l'ai, mais pourquoi je les ai achetés les jeux? T'as plutôt intérêt. Tu vas pourquoi. Garder ça dans ton oreille pendant tout le je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Pourquoi je les avais rachetés les jeux. 300 jeux, ouais, bah oui, bah c'est ça. C'était des centaines de jeux, mais dans les 300, t'en avais qu'une centaine qui était bon, quoi. Les 200, c'était de la genre. La Alexandra Lederman. Tout ça, quoi. Les conneries comme ça. Dora l'exploratrice. Je te le dirai pas deux fois. Ah ouais? Ah, c'est pas mal. Mais moi j'avais carrément le.
tu pouvais, je crois qu'avec la R4, tu pouvais simuler un action replay. Et du coup, moi, c'est ce que je faisais. J'activais le code et à chaque fois, c'était toujours le même Pokémon qui sortait. Et à la fin, tu avais actionné le code 150 fois pour avoir les 151 Pokémon. C'est pareil, j'en ai perdu parce que je pense que j'en ai encore, mais j'en ai perdu pas mal. Ah punaise, ce jeu là il était dur. Bah moi je l'ai sur Wii et je suis bloqué parce que il y avait des sutures à faire et tout, c'était super dur, j'arrivais pas quoi. Ah, faut pas avoir Parkinson pour jouer à ce jeu. Il a un très bon jeu, c'est vrai que j'ai bien kiffé aussi. Conduisez-le jusqu'au prisme. C'est le problème de Hargreaves maintenant. Mais je pense que le DS c'était plus accessible que. Moi c'était avec la Wiimote. Alors la sensibilité était un peu plus. Enfin un peu moins importante que sur DS. Et non. Par contre si j'avais eu Okami, tous ces jeux-là, c'est ce que j'ai. Ah ouais, non, sur Wii, c'était une horreur. Je me suis énervé et j'ai pas pu le finir le jeu, mais j'y ai réussi 60. Klonoa. Avec ta config, là, tu te fais un ROM station et un émulateur PS1. Et tu vas voir les graphismes améliorés. Moi, je sais que. Je suis quelqu'un qui a joué il y a pas si longtemps que ça et franchement waouh, il a bien soigné le jeu et il était propre sur et par contre c'était la version PS1. Ah oui. Moi par contre ça me dérangerait pas de le faire. Ah oui, ah bah là c'est pareil, c'est pas pareil. Et pourtant, c'est pas un jeu qui est si vieux que ça, hein, les Sables du Temps. C'est pas sorti non plus dans les années 90, quoi. Restauration système, agent corrosif isolé. Fonction centrale altérée. Que moi je me suis remis, avant de commencer ma formation, je me suis remis à Gran Turismo. J'avais commencé Gran Turismo. J'avais rejoint, c'était mon jeu de banal préféré. Restauration système, fonction centrale altérée, remontage de l'alimentation, standby. Ah ouais? Moi c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. Peut-être parce que j'y arrivais bien. C'est chaud comme pour avoir cette arme là. Camouflage activé.
Ah bah attends. Ok. Oh non. Oh non. Putain, je suis mort. C'est dur. Infestation contenue. Réinitialisation des fonctions. Réinitialisation des fonctions vecteur de tissu alien isolé et conservé en bouche profonde. Traitement. Analyse de la nanoforme. Enregistre de compatibilité. Bah en fait, je crois que je suis passé dessus. Je crois que je suis passé. Profilage en cours. Et puis j'ai passé comme un truc. T'as fait tomber un truc là. Le papier là. Appuie sur la croix pour aller. Bon bah appuie sur la croix. Ling Shan reste nominalement. Et par contre, il y a un truc qui est. C'est ça qui est marrant, hein. Mais la qualité de la vidéo. Elle est plus belle sur le live quand je regarde le live de sur YouTube ou Twitch, le replay, il est plus beau que ce que j'ai eu à la télé quand j'étais en train de jouer. C'est pour dire la qualité de l'image, comment elle est. Comment elle est améliorée. Je crois que c'est mon. Maintenant, ouais, ça va être ça, ouais. Mon boîtier d'acquisition avec l'encodage. Restauration système, agent corrosif isolé. Bah, c'est une télé LED. C'est une LED que j'ai achetée en 2013. Donc, ouais, elle a de l'âge, ouais, elle a 6 ans. Mais ouais, peut-être que ça doit être une LED, mais elle est pas. Enfin voilà, ça fait pas. Sans doute pour me reprocher encore une fois à tous les maux du monde. Et nous avons des préoccupations plus urgentes. Nous devons vous armer. J'avais pas payé cher. Vos performances. Bref, vous vous trouvez non loin du centre bureaucratique. Puis là, j'ai pas les moyens d'acheter un écran, quoi. Sachant que j'en ai à perdre. Tant que la télé elle marche, je change. Je changerai pas d'écran. Vos successeurs n'ont hélas rien à leur envier. Bah ouais, carrément. Ma parole n'engage que moi. Après tout, la. Et c'est une Samsung, hein, je l'ai quand même payé. J'avais une. Allez donc observer. Ah ouais. Bah ouais, mais toi, la télé de fou, t'as dû la payer bonbon, quand même. Plonger dans les pires abîmes de cette. Bah oui, tu m'étonnes. Vous y trouverez ce qu'il vous faut. Reroutage des systèmes. Interface validée. 600 euros! Oh la vache! Bah là, voilà, t'as fait une affaire! Tu vois la télé qui est derrière moi, la grosse. Le caca, ouais! Mais tu vois la grosse télé derrière moi là, qui est contre le mur? Eh ben ça, c'est une télé, bah c'est pareil, je l'ai payé 600 balles, mais en 2010. Et c'est une télé LCD, c'est une 120 cm, je crois. Ça se lit 4K, pas caca. Ouais, mais moi, en fait, j'aime bien aller à l'essentiel. Si je peux éviter de dire des consonnes pour économiser du temps et de la salive, donc voilà, ouais, je dis la caca. La télé caca. Ouais, c'est ça, exact. Découvrez l'entrée de la ruche, traversez la place. Non, mais je pense que je suis trop... ce qui se passe, c'est que... des fois j'ai des journées qui sont tellement chargées que bah je veux faire plein de choses, je peux pas, donc bah je vais très vite à l'essentiel, quoi. Et c'est pas forcément bon. Faut que je prenne plus de temps de faire les choses, mais voilà, quand t'as plein de choses à faire, c'est pas évident. Hop, une douche.
semble en effet que les VIP ont reçu un traitement. Ouais, ça y est, je suis propre, tu vois. Là, on va pas me dire, ouais, vous êtes contaminé. Bah non, j'ai pris ma douche de décontamination avant de venir. De toute façon, tous les gens devraient posséder une douche de décontamination. Nanovision activée. Non mais laissez-moi passer. T'es pas l'entrée de la ruche. Oh là, quand il y a ruche, j'aime pas quand il y a ruche. J'aime pas le mot ruche. Quel ingénieux mécanisme. Songez à la crise bovine sud-américaine d'il y a 2 ans. Ou à l'épidémie de vaches folles britanniques du siècle dernier. Le problème n'était pas d'abattre les animaux. Des ramen, ça marche bien les ramen. Le problème, c'était de s'en débarrasser. Que faire de ces millions de carcasses? Des ramen, moi ce que je veux, tu vois, moi ce que je vais manger ce soir, c'est du, c'est des croque monsieur. Ça, c'est le truc, c'est rapide à faire. T'es à sec. Ah, tu vas devoir, acheter des choses. Nanovision activée. Et viens par là, toi. 3 steaks et des pâtes, bah c'est marrant aussi, steak pâtes. Steak pâtes, c'est pas mal, ça. Ah ouais, bah avec les vacances... Bah, j'avoue que c'est pareil, moi, c'était pas évident. Et j'ai réussi à m'acheter la Nintendo Switch, quoi, mais c'est avec mes économies. Trois, quatre jours avec ça. Mais tu vas faire comment pour bouffer, quoi? Toujours prendre des trucs pas chers. Une baguette de pain, du jambon, du beurre. Quoique le beurre, maintenant, ça devient luxe. Merde, la plante, elle m'a rien fait. Tu peux pas. Ah ouais, tu m'étonnes. 3-4 jours avec quelques pâtes. Ah ouais. Mais qu'est-ce que t'as acheté pour être en être à ce point-là? Que dalle! Bah ouais, mais attends, c'est pas... c'est chaud quand même. Moi je pourrais pas, je pèterais mon câble. Hein. Bah ouais, j'espère pour toi parce que mine de rien, c'est pas marrant quoi. Moi qui gueule parce que je suis à moins de 100 balles. Mais bon, moins de 100, mais il me reste quand même des choses. Il me reste des choses quand même dans le congélateur ou des choses comme ça quoi. C'est toujours le même système de traitement de la bio. Bah ouais, de toute façon, ça sert à ça. C'est ça la question. Révoltant, certainement. Mais tellement fascinant. T'as ton crédit au coup qui commence.
T'as ton crédit qui commence ou qui s'arrête? S'il commence, forcément, c'est du négatif. Oh punaise, c'est quelque chose. Pour le valider. Bah ouais, mais si tu fais un crédit, c'est encore du négatif. Camouflage activé. Pourquoi ? Allez. D'accord, monsieur. D'accord. Ouais, je vois pas comment. Ouais. Ouais, mais faut bien calculer son coût. Hein. Moi, je sais que crédit auto. Quand j'étais en appart la première année, j'avais un crédit auto, bah c'est trop bien. C'est vrai que ça coûte cher par contre. Se déplacer devient un luxe aussi. Bah ouais, de toute façon t'as pas le choix hein, parce que même pour le... Quand tu as des frais sur ta voiture, des frais d'usure, mine de rien, ça monte pas. Hein. Oh non! Que la mer elle est pas loin. Ah ok, d'accord. Bon bah ça c'est bien déjà, tu vas être gagnant parce que mine de rien ça coûte la peau des fesses. Ça coûte la peau des fesses, hein. C'est vrai que... Mais ouais, tu vas être gagnant ouais, sur les frais de ta caisse, c'est sûr. Les nano machins là, ça pourrait améliorer les trucs d'armure, je crois. Ah, tu vois, hein. Ah, et bah oui, voilà, c'est ça. Je sais que moi j'en ai pour plusieurs centaines d'euros à chaque fois que j'y vais, mais j'y vais pas souvent. Mais quand j'y vais, ça fait mal. Voilà, détection menace. J'ai des choses qu'il faut quand même que je change. Mobilité, par exemple. Je peux pas faire le reste.
Bon bah tant pis. Ouais, ça peut être... Ouais, après, faut regarder si ça peut être aussi... je sais pas, c'est peut-être l'eau dans le radiateur qui en a très peu aussi. Je sais pas. Après, je suis pas mécanicien. Mais ça peut être ça. Hein. Les voitures, c'est comme un ordinateur, faut les refroidir. D'accord. Ouais, ça peut être la chaleur. C'est, elle est de quelle année ta voiture? Clio 2 2004. Ah ouais. Ah ouais, elle a quand même quelques années, mais elle peut encore tourner quoi. Si elle est bien entretenue, il n'y a pas de souci quoi. Ah ouais, ouais d'accord, 240. Ouais, je comprends. Et tu vas la changer pourquoi? Golf, ça va te changer, ça va te faire drôle. Hein. C'est pas du tout la même puissance. Hein. Tu t'attends encore. De là où vous êtes, vous devriez distinguer des affleurements de la structure alien. T'as 80 chevaux avec. Ah ouais. 80 chevaux, bah ouais, la puissance de... Ouais, niveau rapport poids-puissance, ta bagnole est torche. Sinon, c'est des 70 chevaux, hein, ce style de gabarit de véhicule. Ah bah oui. J'attends qu'il vienne vers moi au pire. Je vais m'approcher un petit peu. Viens voir papa. Ouais. Fallait que je le fasse, désolé. Ah mais ils sont pas morts en plus. Punaise, eh mais ils étaient même pas morts. Genre je me balance un coup de lanceur. Bah non, ils sont pas morts. Il est pas fiable. Ah bah ouais bah oui. Ouais vaut mieux que tu changes, t'as raison. Ouais bah je pense qu'ils sont immunisés contre les lanceurs. Moi je sais quand j'avais acheté une Laguna 2 en 2005 ou 2006, je me rappelle plus. Et en 2010, j'ai eu... en 2011, j'ai eu des problèmes. C'était les injecteurs. Bah, avant de devoir les changer 3000 euros, j'ai carrément changé la caisse. Pour m'en acheter une autre bagnole. Mais pas une Laguna 2. Donc je comprends, d'un côté, faut pas prendre le risque. Hein. De là où c'est cher. Vous devriez distinguer des affleurements de la structure alien. Le vaisseau que les pilotes de Lockhart ont abattu devait stationner quelque part.
sous-sol. Ouais, ouais, mais en fait, c'est quand t'as, je sais plus, il y avait 4 injecteurs, je crois, donc tu divises par 4. C'était... Voilà. Et il fallait tous les changer. Soit c'était 2, soit c'est 4. Ouais, bah maintenant c'est ça. Hein. Les bagnoles, maintenant c'est. La mécanique c'est facile, mais c'est plus. L'électronique où c'est compliqué quoi. Maintenant c'est même plus mécanicien, c'est électromécanicien. Ouais, non, j'ai pas fait mécanique. J'ai fait mécanique générale, mais c'est pas quelque chose qui me batte. Ah ouais. Ouais, parce que ça aussi, j'ai vu le truc. Hein. C'était chez Renault, ils disaient. On va balancer un coup de valise. Ah, ok, hein, allez-y. Hein. Moi, je pars pas en voyage, honnêtement. Là, il y a un truc, il y a des particules là. Je les prenne sans son, sans. Alors, bon, moi c'est bon, on est parti. Regardez autour de vous. Admirez cette flore. Ouais, c'était encore des emmerdes. Avec l'enverrer et d'explorer une autre planète, ce rêve pourrait toucher de loin, si seulement vous avez du temps. Pas mal, c'est que j'ai une cage d'armes ou quelque chose comme ça, parce que là, j'ai rien. J'ai que dalle, j'ai pas de munitions. Ah si, là j'en ai là-bas. Bon bah c'est cool, j'ai réussi pour l'instant.
Tu fuis le combat. Bah non. Bon bah c'est nickel. Point de contrôle, bah ça c'est génial parce que là au moins si je meurs je reviens là. Ah peut-être prendre ça va. Tac. Ça c'est vrai que je m'en sors mieux que lui. Peut-être parce que je me suis amélioré, j'ai amélioré mon équipement aussi. Là, il va falloir utiliser le C4. Camouflage activé. Oh non, punaise. L'autre, il m'a balancé, quoi. C'était trop beau pour être vrai. Là, je trouve plus intéressant quand même quand j'y arrive. Hein. Bizarrement. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai du lanceur au pire. Je peux essayer de balancer le lanceur. C4, c'est pris. Bah, je l'ai désingué.
Il s'est pris une belle claque quand même. Nouvelle musique débloquée. Yes. Moi, je trouve qu'il est plus accessible là. J'ai de mauvaises nouvelles, je le crains. Le département de la défense projette de détruire la digue Rawson pour submerger le centre-ville et tenter de balayer les cefs. Le doute n'est plus permis. Ce plan insensé sera mis à exécution malgré mes objections. Et je ne tiens pas à ce que le déluge vous surprenne en sous-sol. Rejoignez le cœur de la structure alien au plus vite, puis évacuez. Le temps joue contre nous. Donc, bon. J'hésite à recourir à des analogies simplistes avec la faune terrestre, au risque de plagier l'estimé professeur Nathan Wood. Dieu m'en garde. Mais ce à quoi nous sommes confrontés s'apparente visiblement à une société. Je voir si je peux pas améliorer des trucs. Ah, je peux améliorer des trucs. Alarme de sécurité. Je vais peut-être avancer silencieusement. On a perdu le contact quand ils sont entrés dans le métro. Soyez prudents. Je tiens à ce que vous restiez en vie. Je peux faire ça aussi. Prendre la ruche d'assaut. Localiser Reeves et son équipe. Grenade max. Tac, je vais prendre ça. Ah, par contre, les nanos, elles se barrent après. J'ai intérêt à me dépêcher pour les récupérer. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas eu beaucoup de choses.
Il est en bas, hein. Quand en munitions, on n'est jamais à la dèche. Hein. Descendre. Donne-moi les nanos. Point de contrôle, ça c'est bien. Mes hommes, c'est pour ça qu'ils ont cessé de transmettre. J'espérais. Ah, peu importe. À la guerre comme à la guerre, chacun doit faire des sacrifices. Essayez de trouver leur équipement de scan. Oups. Ça nous aidera peut-être à comprendre dans quoi on s'embarque. Option tactique disponible. Ah, option tactique disponible, c'est quoi ça, c'est select. Est-ce que je peux les avoir, les options tactiques? Mitchell Reeves. Après Taras Strand, c'était mon meilleur élément. D'après le flux que vous m'envoyez, la boucle de spore est quasiment en état de sommeil. Il va falloir y remédier. Il doit y avoir des déclencheurs de stimulus dans le coin. Mais de là à vous dire à quoi il ressemble. Détruire le contenu de la sphère. Accéder au silo à sphère.
J'allais me reprendre. Ah bah non, j'ai pas de. J'ai pas de caisse de ravitaillement là. En prendre plus de deux. Je ne peux pas en prendre plus de deux. Ok. Bah tant pis. Yes, ok, bah bonne préparation. De toute façon. Ouais, bah je sais pas, là je vais peut-être pas tarder parce qu'il est 6h30. Je vais pas trop tarder, donc mais je reviens ce soir à 21h, donc après c'est toi qui vois. Mais sinon, ouais, à très vite. Bah, peut-être demain. Mais je serai là à 9h, 9h30, hein, Pierre. C'est vraiment ce que tu cherches. Comme ça, tu verras. Ouais, à tout à l'heure, comme ça, tu verras la différence. Je vais essayer de faire là. Je l'ai dit par rapport à la flotte. Maintenant, trouvons un moyen d'accéder au bâtiment central. D'après les plans que Reeves et son équipe m'ont transmis. Je serais d'avis de et bon appétit, bien sûr. L'un des sauts et de profiter de sa rupture pour vous faire entrer. Rechercher une faille dans l'infrastructure. Option tactique disponible. Option tactique. Alors là, je veux bien. Pourquoi il me dit ça? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Magnifique, pas vrai? Ça ressemble à de l'écologie corallienne. Peut-on douter que ces créatures se soient développées dans l'océan? Saboter le conduit de la spore, se connecter aux veines des spores. Bon, alors, là je vois qu'il y a un méchant pas beau.
je vais aller un petit peu en forçant. Ça a l'air de marcher. Mais il va falloir que vous fassiez de même avec les autres tubes pour égaliser la pression dans tout le système. J'ai l'impression que je reviendrai pas au début, non. Option tactique disponible. Ouais, j'aime bien me faire repérer dès le début, comme ça au moins. Ok, je vais vraiment comme un goré. Oh la vache! Ok, d'accord. Tu veux jouer à ça? Merde, j'en ai plus qu'un. J'ai des munitions là. C'est pas dit que je puisse. Merde, j'ai plus de... À part lui balancer du C4. On va m'embêter l'autre.
désactivé. Eh mais c'est abusé. On a vu, je vais recommencer depuis le début là. Je suis comment là? J'ai plus de munitions. En fait, c'est que là j'ai pas, je crois, des munitions pour lanceur quoi, mais je les ai pas. Il n'y en a pas là. Ce qui m'embête un petit peu d'ailleurs. J'ai que ça. J'aimerais bien avoir un lanceur, mais il n'y a pas. Ah! Il est mort. Merci le C4. Toujours avoir du C4 en poche. Non. Il faut pas le gaspiller surtout. Bien. Vous avez l'effet souhaité.
Mais faites vite. Ces idiots du Pentagone se préparent à agir. Non mais c'est trop idiot. Passer par là. Ils vont mettre un très bon comité à la fin, quoi, c'est obligé. Ils sont max. J'ai l'impression que ça les chatouille. D'ailleurs. Ouais, qu'est-ce, ça marche. J'ai réussi à faire le truc là. Et ça se trouve, quand tes pattes elles seront prêtes, moi j'arrêterai. Ce serait un comble. Enfin, ce serait un hasard. Là, j'essaie de terminer le truc, puis après, je vais m'arrêter parce que c'est pareil, faut préparer le jeu. En plus, madame, elle vient d'arrêter sa play. Ok, allez. Là, je trouve que j'apprécie mieux quand même le jeu là. 2h30. Hier, j'ai fait presque la même durée. Et là, je trouve que c'est mieux. Nano. Ah mais lui il est costaud à battre, hein. On voit que l'armure qu'il a lui. Boum. Ouf. Ah merde. Je me casse. Camouflage activé. Faudrait que je le désingue. Camouflage activé. Voilà. Merci le C4. C'est dingue, c'est radical le C4. «
saboter la structure alien centrale. C'est là où va y avoir people. Il va y avoir du people. Bien. Voyons maintenant ce que peut faire la combinaison. Infestation de nanospores. Yes, j'ai eu un trophée. Bon bah tiens, ça va être la fin. Communication. Je m'arrêterai sur ce trophée. Les protocoles sont compatibles. Ah, c'est bon ça! La carotte, c'est plein de vitamines en plus. Mais... bah ouais, pas de plus bouillon de légumes, ouais, carrément. Ah, je ne m'attendais pas à une résistance. Bah, tu sais, moi c'est pareil, je me fais ça. Hein. Les carottes, c'est les carottes en rondelles surgelées. Hein. Ta copine t'a refilé ça, bah. Elle t'a bien refilé un truc. Hein. Et ouais, tu vois, c'est pas mal ça. Les carottes avec. Moi, je fais beaucoup de carottes avec du riz. Riz-carotte, ça marche très très bien aussi. Alcatraz, écoutez-moi attentivement. La décision est prise. Bon, je vais attendre là. Les bombardiers vont arriver. Dégagez d'ici. Bah, j'espère pour toi aussi. Hein, parce que là, franchement, ça devrait pas être. Vous devez faire vite. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai eu un point de sauvegarde. Nickel. Nickel, j'ai terminé. Bah, tu sais, quand il s'agit de bouffer, tu peux. Enfin, voilà quoi. Enfin, faut pas se sentir gêné, c'est normal. Hein. Quand, si tu sais que c'est pour de la bouffe, voilà. Hein, les parents, c'est fait pour ça. Hein. Vaut mieux taxer, puis avoir un petit. Avoir quelque chose dans son assiette qu'attendre quelque chose, et puis voilà. Enfin, c'est mon. Moi, j'aurais plus rien dans le frigo, je le demanderai à mes parents, c'est sûr. Bon, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Ça fait quand même 2h20. J'ai fait une belle petite session, j'ai plus kiffé là, c'était plus sympa. Shiva, si t'es chaud, je reviens tout à l'heure entre 21h et 21h30. J'ai essayé de faire ton petit réglage comme tu m'as dit là, pour voir la différence. Si c'est fluide ou pas, je vais faire peut-être des tests hors ligne aussi, ça me laisser un petit peu de temps. Et puis je te retiendrai au courant après, de toute façon tu verras si c'est plus fluide ou pas, tu me diras. Si j'arrive pas, je te dirai pourquoi j'arrive pas, pourquoi c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ouais, t'es pas obligé de passer toute la soirée, mais au moins pour voir un peu. Sauf si je te dis, hein, si ça a pas bougé, mais je vais essayer, je crois savoir où est-ce qu'il est le. Le truc donc je vais changer l'encodeur, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de me faire un petit point, une petite opinion aussi, puis je vais voir si ça change ou pas. En tout cas, merci pour ton conseil, merci pour ta présence, et merci aussi Phoenix. Merci beaucoup à Phoenix et à Hugo qui sont passés tout à l'heure. Merci à vous tous les trois et merci à tous les spectateurs qui sont passés. Bon appétit à toi, bon appétit à tous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h30. Allez, bon appétit.